C'est vrai qu'avec les années, c'est quelque chose qu'on a perdu. Dans ma famille, on ne parle pas la langue. J'étais sur Instagram et je cherchais une recette de dolma et je suis tombée sur Burst Right comme ça. Donc j'ai décidé de postuler parce que c'était quelque chose que je recherchais dans ma vie. J'ai des origines arméniennes par mon arrière-grand-mère qui a été sauvée du génocide quand elle était enfant. Elle faisait partie des milliers d'orphelins qui ont été emmenés en France. Et c'est vrai qu'avec les années, c'est quelque chose qu'on a perdu. Donc je veux toujours que mes enfants parlent arménien, qu'on garde cette tradition, qu'on garde les recettes. Et donc j'ai décidé de faire partie en fait du programme Burst Right. On m'a demandé où je voulais aller en Arménie. On m'a proposé notamment Yerevan et Gyumri. Moi tout de suite j'ai voulu Gyumri puisque je viens de Paris. Donc je voulais pas une capitale, je voulais pas une grande ville. Et j'ai commencé mon expérience à Gyumri. Dans une famille d'accueil incroyable, très jeune, très, très ouvert, très accueillant. Mon expérience était très riche, une grosse différence culturelle, très très intéressante. Et en fait, après un mois et demi, sans vraiment que je comprenne pourquoi, j'ai su très vite que j'allais revenir. Bon, sachant que c'était très compliqué. Donc je suis revenue en France. Je suis repartie tout de suite pour Hawaï, où j'ai passé des moments incroyables à Hawaï. C'était des vacances exceptionnelles. Je suis revenue en France. Et il a fallu repartir en Arménie. En fait, ce qui était assez incroyable, c'est que j'ai jamais douté. Donc, j'ai jamais douté de revenir en Arménie, notamment à Gyumri. Je voulais absolument revenir à Gyumri. We saw growing interest among the participants who would like to move to Gyumri. That's why we expanded the program to give more opportunity to alumni. Le programme Passway, c'est un programme pour les alumni qui est vraiment top puisque en fait, ils nous mettent à disposition un appartement pendant 3 mois, ce qu'on appelle l'appartement Passway. Donc c'est un lieu à Gyumri qui est donc au-dessus de l'office en fait. Et pendant 3 mois, on paye cet appartement pour une bouchée de pain. On est vraiment accompagné, on n'est jamais seul. Et pareil, les personnes en charge sont toujours disponibles pour des conseils, pour trouver un emploi, pour aller au-devant des gens. It gives them the opportunity to have an apartment, find a job and establish network in the city. Donc je suis arrivée à l'appartement Passway, j'ai partagé cet appartement avec une jeune fille russe qui était là également en tant qu'alumni. La cohabitation s'est très bien passée, c'est très agréable déjà de ne pas être seule quand on revient. C'est cohabitation, super sympa, c'est de la colocation hein, clairement. Et l'appartement est vraiment refait à neuf, donc il est très beau, très très sympa. Il y a un beau balcon avec une belle vue sur Gyumri et il y a tout ce qu'il faut. Et également l'office est juste à côté si on a besoin de quoi que ce soit. We have alumni who moved to Gyumri. They came up with their own initiatives, established their businesses and joined local NGOs. Moi, je dis toujours qu'à Gyumri, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a une énergie que je ne retrouve pas ailleurs, pas à Yerevan ou même autre part en Arménie. Les gens sont très chaleureux. Մենք Իրինայի հետ որոշեցինք, որ պետք է լավ բան անենք Հայաստանում և որոշեցինք ընտրել մի հատ գյուղ, Ծովինար, Գյարքնի մարզում և սարքենք մի հատ մանկական հարապարակ, որ իրոք կօգնի երեխաներուն ամբողջ Ծովինարում, Հովնանյան հիմնադրամի գրանտը ստանալուց հետո մենք աշխատեցինք տնօրենի դպրոցի հետ և վարպետներու հետ այդ ծովինար գյուղում շատ մանրամասներ ենք մտածել, օրինակ վեկավենք թե պլասմասը չէ, մետաղը և դրա հետ փետը, որ երեխաներուն
ամարում հեշտ լինի դրանով օգտվել։ Ես ցանկանում եմ դեպի հայկի կամավորները եւ Armenian Volunteer Corps, որ իրանք հյուսատապեն եւ միշտ կարողանան այս ուղղությամբ գնան, որ essence banner սարքեն այս գյուղում, տարբեր գյուղերում, ամբողջ Հայաստանում այն ծրագրը, որ իրանք ուզում են։